Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette Peugeot 2008. Eh bien, cette nouvelle 2008 fait honneur au style et au design Peugeot qui est si dynamique aujourd'hui. Et encore une fois, on le doit à Gilles Vidal, on en reparlera quand on sera à l'extérieur. J'ai ici avec moi la version la plus haut de gamme, la version GT, avec la motorisation PureTech 155 chevaux, 3 cylindres, le 1,2 litre. On va en parler ensemble et on va se dire toute la vérité. Et là, je prends un virage et je me dis que ce toucher de route est absolument incroyable. Elle est réactive comme j'aime, franchement. Et le petit volant donne encore plus cet effet. On a l'esprit un peu karting. Dès qu'on a le moindre mouvement du volant, on sent la voiture partir un peu. Et ça, en termes de réactivité, c'est très bon. Il n'y a pas de prise de roulis. Franchement, c'est impressionnant pour un véhicule aussi haut. On a l'impression que ça vire à plat. Bon maintien du fauteuil et une bonne assise au niveau dorsal, c'est très agréable. La boîte EAT8 fait correctement son job. Ce sont de bonnes boîtes auto. Dieu sait si aujourd'hui les Françaises ont fait des progrès, que ce soit chez Renault ou chez Peugeot. Elles passent les rapports à la volée, on ne les sent pas. 8 rapports, c'est souple, c'est dynamique, tout ce qu'il faut. Bon, comme d'habitude, on a 3 modes de conduite, le mode éco, le mode normal et le mode sport. Donc en mode normal, vous avez ce bruit, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais si j'accélère. Il y a un petit bruit sympa. Et maintenant, je vais passer en mode sport. Et comme c'est un 3 cylindres, on a été obligé de combler un peu avec du son factice sur les haut-parleurs très certainement. Écoutez la différence. Vous voyez ? C'est plus rauque, on a l'impression d'avoir un V8. Obligé de combler un petit peu. C'est mieux que ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années sur la 308, mais c'est encore un peu fort pour moi, un peu trop factice. Bon, dans cette finition un peu haut de gamme, il y a tout le confort. Il y a même un toit ouvrant vitré qui apporte de la lumière au sein de l'habitacle. Ce qui est plutôt bien avec cette Peugeot 2008, c'est que l'assise n'est pas forcément obligatoirement haute. Comme dans la capture. Quand j'avais essayé la capture, je trouvais l'assise beaucoup trop haute et on ne pouvait pas baisser. Alors qu'avec cette 2008, vous avez la faculté, grâce à une manette proche du fauteuil, d'avoir une assise très haute ou alors très basse. Et ça, c'est bien de pouvoir choisir. La consommation en mixte est donnée à 5 litres, ce qui n'est pas énorme en soi. C'est quand même assez limité. Le moteur n'est pas très gourmand. L'amortissement est pas mal. On peut avoir parfois des trépidations sur très mauvaise chaussée, ça m'est arrivé de le ressentir. Et globalement, la voiture est bien suspendue. Allez, un arrêt au stand, on va aller voir l'extérieur maintenant. Allez, on va regarder un petit peu le design de cette auto qui est tout à fait intéressant, notamment au niveau des portières où vous voyez cette zone triangulaire faite par un pli de carrosserie. Je crois que l'Audi Q2 en est doté également. C'est pas que c'est du plagiat, mais en tout cas, on se veut plus angulaire dans les autos modernes en 2020. Travail de designer et cauchemar de carrossier quand il y a des plis à refaire. Ce logo GT est positionné assez haut, il arrive à la taille du 1,88 m. Et vous avez cette ligne de caisse ici qui est montante sur la partie arrière, c'est plutôt bien. Et ça qui donne du dynamisme, un peu comme les Citroën dernière génération. Et l'avant est assez plat. Effectivement, pour les chocs piétons, c'est la réglementation qui détermine ça. La signature lumineuse est toujours très importante. 3 griffes et les crocs. C'est comme ça que ça se passe chez Peugeot maintenant. Au niveau jantes et pneumatiques, on est chaussé quand même en 215-55 R18. Sur la partie arrière, on retrouve le fameux bandeau noir avec les feux très modernes, feux très travaillés par nos amis designers et ingénieurs. Et ben, on va regarder en dessous. Mais d'ores et déjà, comme j'ai vu la fumée, je sais qu'il y a deux pots d'échappement, la marmite au milieu et les deux échappements de chaque côté. Alors avec une canule de décoration, mais on voit le pot là-bas. Et à droite, on a exactement la même chose. Ça, c'est plutôt bien. Ça fait cossu. C'est pas du factice complet. Il y a juste la canule qui est de décoration. Et puis, on voit les amortisseurs, effectivement, et le fond plat. Bon allez, je vais vous montrer le 1,2 litre PureTech 155 chevaux. On va regarder ce que ça donne derrière ce capot. En espérant rien du Saint-Vérin, mon Dieu,
Fat Saint-Vérin sur un 2008, quelle tristesse. Il remplit bien le compartiment, malgré qu'il y ait de la place, on pourrait y loger une belle motorisation. Hein. Il y a vraiment de la place. Et bien sûr, le saint plastique qui vient cacher le moteur. 240 Nm à 1750 tours, 0 à 100 en 8 secondes 2, Vmax 208 km/h, ce qui est plutôt pas mal. Moteur dynamique volontaire, pas trop bruyant et qui donne moins d'à-coups que d'autres 3 cylindres que j'ai pu essayer. Et sur cette version GT, un toit ouvrant panoramique. Nous allons regarder la modularité du coffre quand même, parce qu'on se doit de faire ça. 434 litres donnés par le constructeur, comme dans la capture en deux étages, amovible et qui se maintient avec des petits picots assez malins. Comme la banquette arrière est coulissante, on peut plus ou moins gagner de la place sur le coffre ou sur l'habitacle. Allez, on va aller voir à l'arrière ce que ça donne pour le mètre 88. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je ne fais que passer. Hein. À l'avant, c'est réglé pour moi. Et là, sur l'arrière, j'aurais du mal à insérer mes genoux, mais bon, globalement, ça va, il y a quand même de la place. Et puis, ça donne une sensation d'espace, ce toit ouvrant vitré, avec ciel de toit sombre. Excusez-moi de vous avoir dérangé, hein, je vous laisse. Nous voilà à bord de cette iCockpit Peugeot 2008, où j'ai eu un petit peu de mal à trouver ma position. Alors effectivement, il a fallu m'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver ma position de conduite idéale. Mais une fois qu'on l'a, il faut plus la toucher. Ce poste de conduite, qui est une très bonne idée en soi, d'avoir un petit volant façon karting, d'avoir une maniabilité intéressante, nécessite quand même une position de conduite un peu touchy. Donc je vais vous allumer le formidable compteur. Voilà, vous voyez, on a quelque chose de très moderne. Et surtout, je ne sais pas si ça passera à la caméra, cet écran digital est un peu une première avec deux niveaux de vision. Une en premier plan et l'autre en second plan, ce qui donne quelque chose de très moderne, très design. Ça, franchement, bravo Peugeot, et je dis bravo la France. Notez l'architecture du tableau de bord de profil, où en fait ici c'est complètement libre et ouvert. C'est original encore une fois. Et puis quand on met son clignotant, vous allez avoir deux choses. C'est le bruit sympathique et l'indication à droite quand vous mettez à droite et à gauche quand vous mettez à gauche. C'est original. Si j'accélère un peu, vous allez voir, regardez, c'est ce panneau là qui monte. C'est assez original comme lecture. Là, la voiture est en route et on entend la ventilation, même si elle est au minimum, parce que vous allez voir que si je réduis au minimum, on entend toujours le bruit de cette petite ventilation qui, moi, au final, me dérange un petit peu. Donc l'architecture, hein, les touches piano, la quai noire, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais la quai noire, c'est pas mon dada, ça prend la poussière, ça prend les traces de doigts. Pour le maniaque que je suis, c'est un peu compliqué d'entretien. Mais bon, vous avez même les fauteuils chauffants. Bravo pour l'intégration de cette tablette en format 16/9 un peu aplati, qui est vraiment bien bien intégré, qui ne gêne pas la vue pare-brise au-dessus. Franchement, c'est très bon. On a accès, comme d'habitude, grâce à des touches d'accès direct, par exemple, à la radio, ça évite de fouiller dans les menus. En termes de qualité de planche de bord, on a sur cette finition GT des coutures un peu vertes. Et bien sûr que ça mousse à cœur, pas jusqu'au fond, mais ça mousse à cœur, et ça, c'est bien. La qualité, pareil, dans les contre-portes, c'est pas mal. On a une espèce d'imitation de carbone ici en plastique. Bon, les fauteuils, ça doit être du TEP comme on fait aujourd'hui, avec une espèce de pseudo-nubuck et du tissu. C'est plutôt pas mal. L'architecture intérieure fait tout à fait moderne dans cette auto. Elle est dans l'air de son temps en 2020. Mon passager d'essai a toujours l'air content. C'est ça qui est bien avec lui. Il est vraiment sympa. Si vous devinez comment il s'appelle, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, ça m'intéresse. L'éclairage d'ambiance, on peut régler ses couleurs. Si j'ai envie de mettre du bleu, je peux mettre du bleu. Effectivement, là, il était sur vert pour aller ton sur ton avec les coutures. Vous avez donc des liserés dans les contre-portes, sur le tableau de bord. Voilà, un petit liseré sympathique. Eh bien, moi, je vais mettre un peu de rouge. Ça va donner un peu de dynamisme. Thank you.
je pense avoir trouvé ma position de conduite idéale. C'est-à-dire que je suis bien incliné, je suis un peu loin du volant, vous voyez. Je suis un peu loin du volant. Et voilà ce que voit ma vue. Je mets la caméra à hauteur de mes yeux, c'est-à-dire que je vois l'affichage des kilomètres parcourus et la jante du volant arrive juste en dessous, donc c'est pile poil. C'est vrai que par rapport à la précédente génération de 2008, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus moderne. On avait sur l'ancienne 2008 déjà un iCockpit, mais là c'est l'évolution 2.0 voire 3.0 de l'iCockpit qui est vraiment agréable, moderne. En mode sport. Voilà, c'est parti. 3, 2, 1. Malgré le fait que ça soit un 3 cylindres, c'est dynamique et volontaire. Il y a un petit truc personnel qui me gêne en roulant, c'est que moi j'aime bien allonger ma jambe gauche. Et là, je trouve que le cale-pied à gauche est trop proche de moi en fait. Je peux pas allonger ma jambe, je suis obligé de passer entre le cale-pied et la pédale de frein. Ce qui n'est pas terrible, terrible si je veux vraiment allonger ma jambe. Bon, c'est un peu curieux, mais c'est mon goût personnel. Vous connaissez mon avis pour ceux qui me suivent sur les moteurs 3 cylindres, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner sur la longévité, en termes de fiabilité, et c'est quand même qu'on tire un peu sur ce moteur. Après, c'est vrai que comme il est turbo-compressé, c'est compensé, et il est quand même réactif et dynamique, il n'y a pas à dire. Rayon de braquage plutôt pas mal. Très bon rayon de braquage. Le mordant du freinage est très bon. Bonne attaque sur la pédale de frein. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous donner ma comparaison entre le test de la Captur et cette 2008. Parce que c'est les deux grandes concurrentes. Elles étaient en plus dans des finitions haut de gamme, donc GT pour cette Peugeot et Initial Paris pour la Captur, et dans les mêmes motorisations, plus de 150 chevaux. Dans les deux cas, les voitures sont dynamiques. Que ce soit chez Renault ou chez Peugeot, les motorisations sont dynamiques. Les boîtes de vitesse sont très bonnes, que ce soit l'EDC ou le AT8, franchement, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Après, les grosses différences que moi j'ai notées, et après c'est des questions de goût aussi personnelles, mais je vous les donne, c'est que moi dans le Captur, l'assise est beaucoup trop haute pour moi, je n'aime pas. D'office, j'aime bien un peu baisser l'assise. Alors que dans la 2008, on peut se permettre d'avoir une assise plus basse. Donc ça, c'est le premier point. Après, en termes de design, ça c'est une vraie question de goût. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour l'agressivité du design Peugeot et son dynamisme. Mais il faut noter quand même que j'étais impressionné par le design de la Captur, notamment sur le dessin de ses feux à l'arrière. En termes de tenue de route, sincèrement, le Peugeot 2008 est meilleur. On a plus de dynamisme et ça, c'est normal. C'est les châssis, c'est le toucher de route de Peugeot qui est propre à cette marque. En termes de prix, ce 2008 est légèrement plus cher, 32 900 euros. Par rapport au Captur qui était à 30 et quelques mille euros. Donc l'avantage pour le prix va au Captur. Après, j'avais noté sur le Renault Captur des bruits d'air sur autoroute. Là, avec ce 2008, on les entend quand même relativement moins. Il y en a moins. Et sincèrement, ce sont deux bonnes autos avec des philosophies légèrement différentes, propres à chaque marque. C'est vraiment une question de goût. C'est celle qui vous plaira. On a sur cette finition GT une Sono focale. Alors avec YouTube, je ne peux pas vous passer de la musique sur cette Sono, mais clairement je l'ai testée. À l'essai, je ne l'ai pas trouvée folle, cette Sono focale. Il a fallu que j'ajuste quelques petits réglages pour avoir un son pas foufou. Voilà, à vitesse stabilisée, vraiment la voiture reste silencieuse. Particulièrement maniable, comme vous le voyez, c'est très agile. Voilà, j'espère que ce petit essai rapide en Peugeot 2008 vous aura plu. Si c'est le cas, vous me laissez un petit pouce bleu dans ce sens-là. On se retrouve tous les dimanches matin pour une nouvelle vidéo de passionnés d'auto sur Essai Libre. N'hésitez pas pour les avant-premières à aller sur mon compte Instagram, essailibre.fr. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, vivez votre passion, c'est bien le plus important. Bon, vu ton sourire, ça t'a plu ce petit tour? Ciao, ciao l'ami. Ciao.